prospecteurs aînés de la fusion de James Hypnos et Jibu Switch, pouvez-vous présenter vos projets respectifs? Ok, mais ça va être vite fait. Hein. Moi, j'ai commencé parce qu'il m'a appris. Lui, il avait déjà son projet Hypnos. Ouais, moi, Hypnos, ça fait une dizaine d'années que j'ai ça. J'étais chez les World People avant et c'est le projet que j'avais au départ, quoi, quand j'ai commencé à faire la musique. Quoi. Il faut bien dire qu'on les a mis un peu de côté ces dernières années avec mon Spectre. Ouais, voilà. On a tout concentré sur ça. C'est un peu ça qui nous. Mais bon, des fois on joue solo aussi. Voilà, ouais. Avec d'ailleurs grand plaisir, ça nous permet un peu de changer et de faire d'autres ouais. choses. Ouais. Mais aujourd'hui, notre projet, c'est votre Spectre. Allez. Deuxième question. Pourquoi avoir donc créé ce duo? Ah, et ben voilà pourquoi. Ben parce que c'est Groovin' Spectors, parce qu'on s'entendait trop bien. On s'entend sur la musique, les mêmes goûts musicaux, les mêmes influences, les mêmes. Pas besoin de chercher. Ouais, à la fin c'était logique quoi. On s'est dit qu'on allait faire quelque chose tous les deux. On avançait mieux à deux dans ce qu'on voulait déjà solo, chacun de notre côté. Donc. On s'est lancé dans la ligne directe. Je crois que c'est bien. Ouais. Quelles sont vos influences musicales majeures respectives? Et ouais, nous on est majoritairement hip-hop, vas-y montre-la. Ah. Oh yeah, biatch. Wow. Hip-hop. Ouais, en fait. Voilà, c'est ça, non, ma putain d'influence, mon gars. Ouais, hip-hop. Et rock'n'roll. Rock'n'roll, ouais. Merci, surtout. Maman. Bah, on n'écoute pas trop de trance, de techno chez nous. Eh oui, c'est vrai. Que... Donc, nous, ouais, c'est vraiment. On aurait même plus tendance à écouter plus de techno que de trance. Ouais, mais surtout hip-hop, rock'n'roll. Mais c'est hip-hop. Ouais, de la bonne musique, du bon son. Quand on se lève le matin, on se met du hip-hop. Du son qui nous fait vibrer dans le temps. C'est tellement large, le hip-hop et le rock. Même la bonne musique, c'est tellement large aussi, on n'a pas. Bien sûr. Mais c'est quand même nos premières influences, il y a qu'à écouter ce qu'on fait. Majeur, en tout cas, hip-hop. Ouais. Exactement. Voilà. On est d'accord là-dessus. Vous êtes au sein du crew Natural Beatmakers, alias the NBM, les bébés de cette association. Comment se passe l'évolution de ce label? Bah plutôt bien. Eh ouais, plutôt bien depuis deux ans. Ça fait deux ans et demi à peu près que ça a été monté. Et ben ça. Personne viendra se plaindre chez nous. Ça commence vraiment à prendre de l'ampleur, dans le sens où chacun trouve. Ça a été fait à Toulouse dans la meilleure ville et au meilleur endroit. Ouais. Donc du coup on est. Mais surtout c'est un groupe de potes quoi, au sein d'un groupe de potes qui fait que on prend vraiment les choses à cœur quoi, et du coup on y met tout. En fait l'évolution du label Natural Beatmaker, c'est ça que les gens ne savent pas, c'est qu'en fait ça fait que 2 ans qu'il existe, mais que nous ça fait plus de 10 ans qu'on est tous ensemble. On s'appelait pas NBM, on s'appelait ni Natural Beatmaker ni NBM. Mais on faisait des teufs ensemble depuis plus de 10 ans les gars. Du coup c'est ça. Ouais, du coup à la fin, ouais, tout le monde. L'évolution se passe plutôt bien maintenant. Ouais. Ouais, on est, évolution ouais, logique, plutôt logique. Ouais, carrément. Pourquoi avez-vous choisi la sortie de l'album en 2015? Avez-vous trouvé de nouveaux moyens de production, de promotion et de diffusion pour votre duo? Pourquoi on a choisi en 2015? Là, c'est pas une question. Il n'y a pas de choix, on n'a pas choisi 2015, on a juste décidé de faire un album, l'adapter. C'est une évolution logique, on se cherche aussi quand même et qu'au bout d'un moment. T'as pas envie de faire de la merde non plus. Ouais, un album c'est l'aboutissement quand même d'un projet, mais au début. Moyen de production quoi. Ouais, voilà, après les moyens de production, ça dépend aussi de ça, la qualité d'être satisfait. Moyen de production quoi, pour moi c'est tout ce qui va changer. Ouais, tout. Ouais, là on arrive à s'équiper avec du matériel qui fait qu'on arrive à. Parce qu'à un moment donné, il y a tout, les moyens même. Les moyens. Ouais, c'est-à-dire ouais. qu'on a tous commencé avec une paire, même pas de KRK ou je sais pas quoi, avec 400 balles de moyens dans ton putain d'home studio à la maison. Mais ça y est, aujourd'hui on y arrive. À la base, c'était pas une histoire de moyens, tu vois, c'était un délire. Évidemment. Où on faisait la musique comme ça, sauf que maintenant, là où. C'est ça qui fait que ça évolue pour moi. Au niveau où on en arrive, il nous faut quand même des moyens. C'est ça qui fait que ça évolue pour moi, c'est qu'on est vraiment sérieux dans notre truc et que maintenant, l'argent, le peu d'argent qu'on a, on l'investit là-dedans, dans la production. Pas d'ailleurs dans la promotion du tout. Promotion, ouais, après, ouais. Heureusement, on est chez NBM, c'est cool. Ouais, mais on fait partie d'un label qui, voilà, la promotion, elle se fait, il y a des gens qui. Ça fait partie de tout, c'est. Tu vois, nous, notre truc maintenant, c'est de faire de la musique, quoi. Donc. C'est pour moi, c'est vraiment ça, les moyens de production. 2015, voilà, l'album, parce qu'avant, c'était on se cherchait plus, donc maintenant, c'est voilà, le temps pour le faire. Le temps pour le faire, exactement. Voilà. Quelles sont vos prochaines collaborations musicales pour les années futures? Avec des artistes internationaux ou nationaux du coup, évidemment, on en a. Ça vient là. On peut le dire maintenant. Hein Ouais. Et pour notre album, on va avoir une collab avec Lassa. Et une autre avec Deezer aussi. Avec Deezer aussi. Et Nationaux, The Crew, voilà, du coup on a The Clamps aussi qui est évidemment. L'éternel producteur. Monsieur The Clamps, s'il vous plaît. Voilà. Parce que The Clamps c'est vraiment que pour les intimes.
C'est la peine. Voilà, ouais. Ouais, des oui. belles collaborations. Mais après, il y a Proper Lane, il y a ouais. des petits. Ouais, Proper Lane, aussi. On a fait beaucoup, beaucoup de collaborations. On aime bien, travailler avec des gens. Mais oui, ça ouvre les horizons. On a travaillé avec les petits. Avec les gars de Beat Defender de chez nous. On a travaillé avec pas mal de gars. Ouais, faire des collabs, de toute façon, ça. Collab, ça ouvre. C'est trop de la base, ça fait changer. Partager ces moments avec des gars qui vivent les mêmes choses. C'est toujours bon de faire des collabs, je pense. Mais oui, pour l'album, en tout cas, là, on en a des sérieux qui arrivent. On est excité en tout cas. Nous avons écouté vos remixes d'ACDC, TNT et Insane in the Brain de Cypress Hill. Avez-vous envie de produire des musiques actuelles non électroniques comme du rock and roll et du hip-hop? Bah exactement. C'est fait. C'est déjà fait, ouais. C'est déjà fait, ça fait un moment qu'il fait des instruits. Ouais, moi je fais des instruits hip-hop pour mon plaisir personnel, quoi. Juste pour. Ça me fait du bien de faire de la musique qui est différente d'électronique. Je fais un peu des. Ouais, t'as sorti une instru hip-hop sur un album. Ouais, j'ai sorti une instru hip-hop sur un petit label de Tarbes, zoologique. Et après, on fait un peu de tout. Bien sûr que nos influences, en plus, surtout rock et hip-hop, mec. S'il y avait un truc qu'on a envie de pousser, c'est ça après. Ouais. Voilà, après, c'est des musiques qu'on fait, mais qu'on n'a jamais vraiment l'occasion de jouer parce que nous, on est bookés pour de la trance et tout. Mais sinon, on fait la bonne musique. De toute façon, on en produit beaucoup. On fait beaucoup de take house aussi. Beaucoup de take house. Ouais. Même technomélodie. Mais on joue pas d'instrument. On apprend. Ouais, si, toi, tu joues de la guitare. c'est vrai. Non, mais oui, en tout cas, oui, bien sûr que ça nous ouvre des horizons et qu'on a envie de faire des instrus pour tout. Bien sûr, là, on profite de la trance tant que c'est là, les gros. Mais moi, ce que je vise, plus ou moins, de toute façon, c'est ça. C'est qu'un jour, quand je serai vieux, j'espère qu'on sera respecté pour la musique et qu'on pourra se permettre de faire des instrus hip-hop comme du rock, comme n'importe quoi, et qu'on saura les faire, quoi. Bah, tu sens, quand t'es un producteur. On pourra se permettre de faire de tout. Quand t'es un producteur, pour l'instant, on fait ce qu'on peut se permettre de faire, et puis si un jour, on peut vraiment évoluer. Moi, le hip-hop, il est là, je vous assure, nous, il est là, il est partout. Donc, mais c'est ça quand t'es même, quand t'es un producteur, t'es horizontal, hein, tu fais tout musique, ce qu'on veut, c'est rester dans la musique. Quoi. Ouais, tu fais ce que t'aimes, quand c'est tu le sens, musique, quand t'as envie de le faire. Évidemment, si à un moment on peut se permettre de faire du hip-hop, prendre le temps de le faire, on fera. Et ouais, car c'est net. Pensez-vous que la musique électronique, et plus particulièrement la musique techno, est la nouvelle révolution musicale en cours? Alors, celle-là, elle est. En cours, ouais, ça fait. Vous parlez de musique électronique et musique techno qui est en cours, et en fait, ça fait plus de 20 ans que ça existe, les deux. Donc, pour moi, la question, c'est pas, les gars, la révolution, après, elle est faite depuis un moment. Après, je la prends dans cette question, je la prends plus dans le sens où, voilà, les musiques électroniques, maintenant, elles se mélangent tellement les genres, tu vois, genre techno, dubstep, trance. Maintenant, il y a un peu plein d'influences qui se mélangent et ça crée justement des nouveaux styles de musique qui, tu vois, qui émergent un peu. Moi, je me prends plus en mode justement, est-ce que ça passerait le rock et le hip-hop? Ah ouais. Non. Ça dépend. Montrez-moi autant de fans de musique techno, et je veux bien, mais non, pour moi, c'est pas encore passé. La nouvelle révolution, elle est loin d'en être là, mec. Je suis le premier à vouloir que la techno surpasse tout, mais la nouvelle révolution, il n'y a pas de nouvelle révolution pour moi. C'est ça. C'est en cours, comme tu dis, mais on espère que ça viendra. Je pense pas, quoi. Je pense que ça fait un moment que c'est là. Jeff Mays et toute ta clique, pas d'aspect quand même. Quels sont pour vous les impacts majeurs de cette révolution d'un point de vue musical et social? D'un point de vue musical, moi ce que je vois. Le point de vue musical, c'est la production qui est ouverte de plus en plus à tout le monde déjà, la techno. Ouais, voilà, les moyens de diffusion, tout le monde peut se permettre. Rien qu'un Ableton et un machin, je suis sûr qu'il nous a fait découvrir des talents qu'on n'aurait jamais connus. Ouais, voilà, tout le monde peut. Parce qu'ils n'avaient pas d'instrument chez eux. De se jeter dans l'arène et d'essayer de créer quelque chose à partir de rien ou de juste de mixer et tout. Ouais, c'est ça. Et puis social. Après social, moi je le vois après à Toulouse, tu vois, les scènes elles se mélangent, on mélange plein de styles de musique différentes et ça se passe très bien et les gens. Moi la musique elle a rien à voir avec le social. La musique elle a rien de social, mec. Ouais, mais ça rassemble quand même les gens. Tu peux être le plus riche au monde, plus pauvre, t'aimes le hip-hop. Oui, voilà, mais la musique ça rassemble les gens, peu importe. Oui, voilà. Oui, le côté social c'est oui que ça nous rassemble après. Mm-hmm. Justement, ça rassemble de tout, quoi. Encore, c'est bien ça qui est bon dans la musique, quoi. Ça rassemble les gens. Quelle date pour vous restera gravée à jamais dans vos mémoires? Universo Paralelo. Universo Paralelo, pour sûr. Adra Festival. Adra aussi. Festival. Adra Festival aussi. Ouais, il y en a quelques-unes l'année dernière qui étaient vraiment énormes. Adra Universo, on va dire. Ouais. Brésil, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Universo Paralelo, quoi. Pour des petits Français comme nous qui débarquent. Exactement. À peine presque un an après avoir lancé ce projet, jouer au Brésil. Ouais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent s'imaginer. On a versé une petite larme. Personne, sable blanc avec la mer derrière, c'est juste. On a versé une petite larme à la fin. On a chialé en sortant de scène. On a versé une larme. Les larmes aux yeux, c'est serré dans les bras. On a dit, bon, gros, si celle-là, on peut la revivre tous les deux ans. L'apothéose, ouais, c'était bon. L'apothéose. Celle-là, putain, on sait qu'on est chanceux. On oublie. On sait qu'on est chanceux. Celle-là, putain, rien que d'en parler, j'entends plus.
Merci d'avoir pu nous consacrer du temps. J'espère vous revoir très bientôt. Bah ouais, j'espère aussi vous revoir bientôt. C'est sympa, carrément. Merci pour tout.